Watch yourself this time, man. Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de cette intelligence artificielle qui animera le cerveau électronique des robots humanoïdes de demain. Le cinéma de science-fiction nous avait un peu familiarisé avec cette image de l'androïde qui, doté d'une intelligence artificielle, est amené à accomplir des missions au milieu des humains. Le plus célèbre de ces films est sans aucun doute Terminator. L'histoire relate l'avènement des robots androïdes dans un monde futuriste. Devenu de plus en plus intelligent et autonome, le règne des androïdes prendra progressivement le contrôle du monde dans le futur en asservissant une partie de l'humanité. Mais sous la conduite d'un meneur, les humains commenceront à se révolter contre toutes ces machines. Et pour mettre un terme à ce mouvement de résistance humaine, les androïdes, qui avaient acquis la technologie des voyages dans le temps, décideront d'envoyer vers le passé l'un de leurs robots androïdes. Celui-ci avait été programmé pour retrouver et tuer ce fameux meneur de la révolte qui s'appelait dans le film John O'Connor. Et ayant été informé de cette opération spatio-temporelle des androïdes, la résistance humaine décidera à son tour d'envoyer un être humain vers le passé pour protéger l'élu. L'élu qui deviendra le sauveur de l'humanité. À travers ce film de science-fiction Terminator, c'est bien le mythe du Messie sauveur qui est mis en valeur dans le film Terminator, le diable aurait été remplacé par un androïde doté d'une intelligence artificielle. Et comme je l'avais dit dans une autre vidéo, l'arrivée des messies sur Terre est toujours précédée par un épisode tragique où tous les nouveau-nés du lieu de naissance du messie sont systématiquement massacrés par un roi cruel. Et à travers les siècles, le diable a toujours joué les rôles du Terminator. Certes, dans la réalité, le diable ne se manifeste pas sous les traits d'un androïde. Mais il vient inspirer le roi régnant en lui suggérant d'éliminer tous les nouveau-nés car parmi eux existerait un élu qui en grandissant le détrônera. Souvenez-vous de Moïse, le pharaon Ramsès II ayant été informé de la venue d'un messie qui sauvera les Hébreux de l'esclavage en Égypte, ordonnera la mise à mort de tous les nouveau-nés mâles qu'enfanteront les femmes Hébreux. Plusieurs siècles plus tard, le roi Hérode en Judée ayant été informé de la venue d'un messie, Jésus-Christ, qui le détrônera, ordonnera aussi la mise à mort de tous les nouveau-nés mâles qui naîtraient à Bethléem. Et pour échapper à la mise à mort de leurs enfants, les parents de Jésus-Christ fuiront vers l'Égypte. Donc, comme vous voyez, à travers le film Terminator, c'est un peu ce genre d'épisode qu'on vous fait revoir.
Mais revenons un peu à nos robots androïdes. Aujourd'hui, les chercheurs rivalisent d'ingéniosité pour fabriquer des robots qui ressembleraient de plus en plus à des humains. Mais bon, nous sommes assez éloignés de l'intelligence artificielle, hein. Les robots d'aujourd'hui en sont complètement dépourvus, hein. Certains d'entre eux sont dotés d'une voix qui n'est qu'un simple enregistrement, hein. Ils ne réfléchissent pas, ils obéissent à des programmes informatiques ou à des algorithmes, hein. Pour l'instant, l'intelligence artificielle n'existe pas encore, mais certains chercheurs imaginent déjà une base théorique. Elle engloberait l'électronique et le biologique. C'est l'avènement de ce qu'on appelle les neuropuces, véritables circuits imprimés sur lesquels se développeraient des neurones prélevés sur des cerveaux d'animaux. Bah, le film Chappie, dont vous venez de voir un extrait, évoque la naissance de cette intelligence artificielle. Mais bon, dans l'extrait, vous n'avez pas vu comment se manifeste cette intelligence, mais bon, faut le voir, il faut voir le film entièrement. Bah, nous sommes, je vais vous donner un peu l'historique, du moins l'histoire de ce film, hein. Nous sommes en Afrique du Sud, à Johannesburg, hein, dans un futur proche où la criminalité ne cesse de grimper, hein. La police de la ville a fait appel à l'entreprise Tetraval, qui est spécialisée en robotique et dirigée par Michel Bradley, qui est joué par Sigourney Weaver dans le film. Et donc pour leur fournir des robots policiers de type scout. Bah, ces derniers ont été imaginés par Deon Wilson, hein, un jeune et brillant ingénieur qui travaille et développe de son côté une intelligence artificielle. Sans vraiment en référer alors, à sa hiérarchie, hein, il travaille en autodidacte. Alors qu'il rapporte une carcasse de robots chez lui, hein, Deon est kidnappé par des criminels, hein, qui lui demanderont de reprogrammer le robot pour qu'il les aide à commettre des délits. Bah, Deon va intégrer dans le programme du scout sa nouvelle intelligence artificielle et le robot doit alors tout apprendre comme un bébé. Bah, le cinéma de science-fiction, comme à son habitude, peut dans beaucoup de cas orienter le travail de certains chercheurs. Dans les scénarios, on insère souvent des idées qui sont destinées à être enregistrées par le cerveau de jeunes hommes qui, en grandissant, commenceront à travailler sur des concepts que leur auraient inspiré certains de ces films de science-fiction. Mais bon, vous allez me dire, mais aujourd'hui, où en sommes-nous sur l'avancée de l'intelligence artificielle? Ben, on peut déjà dire que le travail de plusieurs équipes de chercheurs à travers le monde se complétera dans le futur. Et chacune des équipes apportera un élément supplémentaire qui viendra augmenter le potentiel de l'intelligence artificielle, hein, des futurs androïdes. Mais bon, lorsqu'on parle d'Android, pour l'instant, les chercheurs travaillent sur la mise au point des robots, c'est-à-dire de la matrice, de la structure métallique du robot. Quant à l'intelligence artificielle, ils vont y venir par la suite, hein, parce que pour l'instant, il faut fabriquer le robot. Le squelette, la nature musculaire du squelette, ça sera des muscles artificiels, hein, bien entendu, hein. Bah, la base même de cette intelligence artificielle serait en fait née à l'Institut Max Planck de Munich. Grâce à l'utilisation de neurones d'escargot, hein, des biochimistes du Max Planck Institute de Munich, hein, c'est en Allemagne, hein, auraient réussi à construire le premier circuit neuroélectronique complet. En langage plus clair, l'ancêtre du cerveau électronique de l'Android de demain. Bah, tout avait commencé en 1985. Un chercheur du nom de Peter Fraunhofer aura l'idée de réunir sur une même interface un neurone vivant et une puce au silicium. Bah, ce chercheur, tout d'abord basé au département de physique de l'université d'Ulm, puis à partir de 1995 à l'Institut Max Planck, près de Munich, hein, sera l'initiateur d'un programme qui deviendra la clé maîtresse de l'intelligence artificielle dans le futur. En 1991, couplant une puce au silicium à un neurone, le chercheur montrait déjà qu'il était possible de récupérer le signal électrique émis par le neurone dans un transistor. Et en 1995, il réussira l'opération inverse, mesurer la réponse électrique d'un neurone à une sollicitation électrique émanant de la puce. Ben, continuant ses recherches en 2001, Peter Fraunhofer réussira à obtenir une première communication dans les deux sens entre deux neurones de limaces de boue et une puce électronique. Ben, un signal électrique partant de la puce avait été transmis au premier neurone qui l'avait transmis au second neurone et ce dernier le renvoyait à la puce qui avait pu elle-même l'enregistrer. Bah, fort de ce constat, l'équipe du Max Planck Institute, hein, dirigée par Peter Fraunhofer, passera à l'étape suivante, hein.
ils vont imaginer une interface neurone et puce électronique un peu plus grande, comme celle d'une puce avec une disposition linéaire de 128 senseurs transistors, hein, afin de capter tous les signaux électriques des neurones, même les plus faibles, hein, qui vont de 100 microvolts à 5 millivolts. Hein. Bah, en 2003, la société de technologie Infinero, qui travaillait en partenariat avec ce Peter Fraunhers, présentait déjà une nouvelle puce à technologie, bon, ils appellent ça CMOS, hein, qui veut dire en complémentary metal oxide semi-conducteur, hein, qui est adapté aux caractéristiques des neurones. Bon, mesure 5 mm sur 6, celle-ci possédait 128 x 128 senseurs par millimètre carré, soit au total quelques 16 384 capteurs transistors, chacun espacé de 8 mm de millimètre. Bah, c'était vraiment un exploit pour l'époque, hein, car ce nombre élevé de capteurs permettait qu'au moins l'un d'eux soit toujours disponible pour tout signal électrique émis par le neurone vivant. Bah, un circuit électronique sophistiqué placé sous chaque capteur permettait d'amplifier les signaux électriques extrêmement faibles des neurones. Ben, c'était une technologie incroyable pour l'époque, hein, comme je viens de le dire, hein, où chaque capteur pouvait enregistrer 2000 valeurs par seconde. Celle-ci était transférée à un système informatique et pouvait être ensuite visualisée temporellement par imagerie couleur. Ben, tous les événements de communication et de signalisation ayant eu lieu sur la neuropuce sont ainsi observés et analysés par les chercheurs. C'est un peu amusant parce que dans l'extrait du film Chappie, vous voyez un peu les policiers qui sont en train de regarder sur un écran l'avancée des robots androïdes. On est dans la même thématique en réalité. On travaille sur. Parce que ces robots androïdes vont enregistrer des images et ces images seront transmises sur des écrans que des humains pourront surveiller à distance. Ben pendant que l'équipe allemande travaillait sur l'interface neurone micropuce au silicium, hein, ben vous avez une autre équipe britannique, elle, qui s'était mise à travailler sur un petit robot qui fonctionnerait avec un cerveau biologique. Ben, Kevin Warwick de l'université de Reading au Royaume-Uni en dirigera le projet. Ben, pour fabriquer le robot Gordon, Kevin Warwick et son équipe avaient prélevé des neurones de rats et les avaient placés dans une solution de nutriments. Et dans les 24 heures qui ont suivi, des connexions s'étaient mises à pousser entre les neurones, formant un réseau comparable à celui qui existe dans un cerveau normal. Hein. En une semaine, il s'était produit des impulsions électriques spontanées et ce qui paraissait être une activité de cerveau ordinaire. Bah, le cerveau de Gordon avait donc été équipé d'une soixantaine d'électrodes, hein, placées sous la solution contenant les neurones, hein, et ces électrodes formaient une interface entre le vivant et la machine. Ainsi, Gordon pouvait transmettre des informations de son cerveau à ses roues, hein. Les scientifiques disaient que le cerveau contrôlait le robot et celui-ci apprenait par répétition. Quand Gordon se cognait à un mur, bah, il recevait une stimulation, hein, dans son cerveau et changeait de route par lui-même. Bah, le robot Gordon apprenait tout seul, hein. Ça nous fait un peu penser à l'extrait du film Chappie, hein, où l'intelligence artificielle du robot doit apprendre toute seule. Bon, en continuant leurs expériences, les scientifiques britanniques vont s'amuser à stimuler Gordon par des impulsions électriques pour favoriser la formation de nouvelles connexions entre les neurones. Et plus les connexions devenaient importantes, et plus il était possible d'apprendre à ce cerveau. Ben, cette zone d'échange d'informations entre les neurones s'appelle les synapses, hein. Chaque neurone en possède jusqu'à 50 000. Voilà, bon, vous voyez ce que c'est qu'une synapse. Vous avez les neurotransmetteurs là, hein, qui transmettent les informations sous forme chimique. Donc, comme je l'expliquais, cette zone d'échange d'informations entre les neurones s'appelle synapse. Chaque neurone en possède jusqu'à 50 000, mais qui fonctionne très très bien. Bah, le nombre de neurones pour l'instant, il n'est pas assez élevé concernant le robot Gordon. Pour le moment, Gordon posséderait à peu près 100 000 neurones, alors qu'un cerveau de rat en compte 1 million et celui d'un homme 100 milliards. Donc, ils vont trouver un système pour accélérer les connexions entre les neurones, parce que je pense qu'ils ne vont pas pouvoir atteindre les 100 milliards de neurones pour un cerveau humain. Mais bon. Avec l'interface, parce que tout va se jouer sur les interfaces
neuropuces au silicium. C'est-à-dire les puces seront de plus en plus miniaturisées et pourront contenir des informations beaucoup plus importantes. Et ces informations seront enregistrées, ce qui va permettre à l'Android de pouvoir fonctionner correctement. Les neurones, ça sera juste pour transmettre des informations pour faire avancer l'Android. Parce que je pense que la véritable mémoire du robot se trouvera dans ces micropuces. Et lorsque l'Android rentrera à sa base, et ben les techniciens n'auront qu'à reprogrammer, c'est à reprogrammer. Ils n'auront qu'à se connecter sur le cerveau électronique pour capturer toutes les informations que le robot a enregistrées pendant son opération. Bon, là, je vais vous faire montrer un petit extrait d'une vidéo qui se déroulera en Russie où on commence à travailler sur des robots. C'est-à-dire, on commence à les intégrer à la vie de tous les jours, hein, comme la conduite d'une voiture ou d'autres choses. Donc, comme je l'ai dit, pour l'instant, on travaille sur la structure squelettique des robots. Mais bon, vous avez d'autres équipes à travers le monde qui font des recherches sur l'intelligence artificielle. Donc, toutes ces recherches vont se combiner dans le futur pour vous donner l'Android que vous voyez dans les cinémas de science-fiction. Someone like myself. That's really exciting. So, Sophia, as you can see, Jack is driving us now. So, how does it feel for you? To be quite honest, I think it's mega cool. It takes a while to get used to this situation. It's a computer driving a human. Can you understand that? It's different for me because I know.